Ma petite peuple haïtien, je dis à vous voter qui a parlé et qui a posé action. Merci beaucoup. Responsabilité nous devant nation. Nous avons responsabilité nous devant une grande victoire. 107 nous avons fait pour te sauver le pays. Nous avons colon. Malheureusement, nous avons un colon nec. Mettez avec des colonnes. Des colonnes nec. Non, colon blanc. Je dis, il y a un problème. Nous avons un pays depuis 216 ans. Nous avons un pays dans une misère. Nous avons un pays dans une situation économique terrible. Côté la masse, la souffrir. Côté mon loi. Dans la misère. Je dis, nous gagnons l'énergie, non seulement dans ce côté sénateur, mais nous disons que nous-mêmes, nous sommes ici, organisation de base, c'est populaire, secteur démocratique, fort, petit de ça, ensemble de mouvements qui comprennent la nécessité pour parler de ça. Nous disons nous-mêmes, nous avons sauvé le pays, on va vivre, mal fini, sénateur, une sécurité qui comprend en face 4 sénateurs d'opposition, qui comprend devant les députés d'opposition. Vous nous dites, comme je fais le pour lui faire mascarade, un vote avec la viande là, il va passer. Et je vais le parler, pas de séance, il a pressé ma main. Et il y a soir, nous, il est déjà organisé. Si Jovenel avec Acolyte Lio rasé environ 4 milliards de dollars, l'argent Petro-Caribe. Si Jovenel prend responsabilité pour la financer gang, en parle avec toute la Saint-Journée dans le pays, afin de détruire ce matériel que nous mettons dans la cour là, pour nous dire qu'il faut nous camper. Camper pour poser véritable problème pays. Camper pour tout le monde qui a une responsabilité comme élu, déposer mandat au sous-table pour nous discuter avec la nation pour nous connaître qui orientation dans le pays, si nous avons un pays. Donc mettez-nous trois matériels, nous n'avons pas rien. C'est le petit sacrifice qui vous faites pour sortir le peuple là dans une situation terrible, dans une situation misère terrible que là. Donc voilà ça à faire. Et nous estimons, nous espérons que la population a compris bien fondé la bataille. D'ailleurs, nous lançons appel à tout le monde dans tout le pays, particulièrement dans le quartier populaire, dans le ghetto. Nous lançons appel à eux pour entrer dans la bataille. Bataille pour la caillou, vine devant le Sénat, vine bataille. Parce que la bataille n'a pas fait là, c'est bataille pour défendre le droit, c'est bataille pour faire un petit cal la vie, c'est bataille pour faire une chance de faire un petit cal dans bien pays. 5% de monde, 95% de monde. 95% de monde a payé dans la classe de pays. Et puis, il a changé le gouvernement, mettez ministre, il a fait le bon, mettez le directeur général, il a fait le bon. Rien n'a pas fait. Nous forçons, je dis à la, pour un véritable débat qui fait. Et nous espérons que l'acteur va attendre, il va comprendre. Et tout le temps, il ne va pas attendre, il ne va pas comprendre. Nous allons continuer la bataille jusqu'à ce que nous arrivions au côté. Journalisme qui là, c'est une bataille pour liberté chaque grand monde dans le pays. C'est une bataille qui allait dans l'intérêt supérieur nation. Parce que aujourd'hui, il y a des droits qui sont consacrés à chaque grand monde dans la Constitution. Par exemple, l'on prend un journaliste. Les journalistes ont une liberté pour faire profession. Alors que si les gens ont décidé de violer la Constitution, même la liberté qu'on gagne. Comme journaliste, ou risque de perdre tout. Et c'est ça que Fendi, nous ne pas quitter ça passer et nous défendons du bec et des ongles la loi et la constitution du pays. Je tiens qui problème qui gagne avec le gouvernement. Qui ça nous-mêmes nous voulons? Mais c'est clair pour nous. Nous disons que en dans PHTK et allié PHTK, il y a un pile de monde qui est compétent, qui est honnête. Pour qui ça?
équipe ça, yo pas fait place avec moun ki honnête et compétent qui pas en affaire avec la loi parce que nous n'a pas d'accord avec c'est même gouvernement ça à travers majorité qu'il gagne dans chambre député a qui t'a interpellé gouvernement ça qui va l'on vote de censure et constitution mandé pour le démissionner ou pas capable retourner avec même moun ça yo en dans gouvernement. Par exemple, l'article 172 constitution, il prend exemple avant. Il dit comme ça, sous interpeller un ministre par exemple, dès pour ballon vote de censure, faut qu'on renvoie il. C'est même gens sous interpeller tout gouvernement ou ballon vote de censure, faut qu'on renvoie il ou pas qu'à retourner avec dans nouveau gouvernement parce que c'est des monde ou révoqué pour incapacité. Parce qu'ils n'ont pas capable de délivrer marchandises sur question de sécurité. Ils n'ont pas capable de couper problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes culture, problèmes agriculture, problèmes route, problèmes électricité. Tout problème ça, ils n'ont pas qu'à résoudre. Et c'est peut-être ça. Chambre des députés a été voyée, monsieur ça y est allé. Et monsieur ça y est pas qu'à tourner dans le nouveau gouvernement. Nouvelle étape là, c'est quoi ça? Nouvelle étape là, c'est continuer bataille pour défendre la loi, pour défendre la constitution pays. Et là, nous pas battre bas et défendre l'intérêt peuple là. Peuple ça dans misère, jeunesse ça qui perdit l'espoir qu'a quitté pays pas. Bonne pas paquet côté journée jodi pour venir nous grande dollar ou besoin environ 100 goud ou peuple qui dans des cadeaux qui dans l'insécurité totale, un peuple qui pas gain espoir. Un peuple qui a relé en mouille pour le procès Petro Caribe a fait, un peuple qui a relé en mouille pour le massacre La Saline, un peuple qui a relé en mouille pour tout ça qui a passé, qui n'est pas bon dans le pays, équipe ça a échoué, équipe politique qui a échoué, il faut faire place avec une nouvelle équipe pour entrer dans la conférence nationale souveraine et qui pourra permettre qu'il y ait une nouvelle constitution, qui permettre que jugement tout bourreau, tout assassin fait dans le pays, et pour nous accoucher un nouveau départ pour jeunesse dans le pays, jeunes femmes et jeunes garçons, qui ont l'espoir, et pour diaspora lui-même qui a une compétence, qui a un moyen capable d'investir dans le pays. Non, photo nous, sénateur Cassino, elle a travaillé. Si il y a une stratégie ce matin pour que ça fasse tout ça, travaille ça. Il faut consulter la constitution pour nous connaître que ça n'a fait. C'est dans l'esprit pour nous faire respecter la constitution. Parce que nous ne pouvons pas faire rien qui peut avoir un intérêt mesquin, qui peut avoir un intérêt particulier.